Alors, je pense que ça va être sûrement la dernière vidéo de près. Enfin, la dernière vidéo, la dernière fois qu'on se lance dedans. Bon, après, on pourra toujours le refaire parce que c'est vu que c'est aléatoire, c'est à l'infini, hein, c'est toujours comme ça. Mais peut-être baisser un tout petit peu le son. Mais on a deux histoires à finir, donc on va faire ça. Et on va voir ce qu'on fait après. On a deux objectifs d'histoire, on a deux histoires principales. On a l'histoire du cobaye, là, du sujet test, et l'histoire de la directrice, si je me trompe pas. Donc on va voir ce que ça nous donne. Par contre, l'histoire du volontaire, lui. Je suspecte que à la fin il va falloir s'échapper par le portail mimique, je pense. Donc du coup, en premier, on devrait prendre elle pour réparer les choses. Je pense. Pour être sûr. On a 102 000, c'est pas énorme. Donc je pense qu'on va faire d'abord un tour avec elle. Pas trop long. On va en prendre une vingtaine. Puis après on les gardera les uns avec les autres. On va prendre ça. La puce de navigation, on n'en a pas besoin. Le module de propulsion, on va en trouver un. Vu que c'est le premier run, on va en trouver des armes, donc il n'y a pas vraiment de problème. Réduit le temps de recharge, augmente les pouvoirs. Ouais. Ouais, on va faire le tour de la base de la lune avec elle, encore une fois, comme la dernière fois. On va réparer le plus possible. On va réparer le plus possible et faire en sorte que les runs d'après soient bons, soient simples en fait. Donc c'est. Voilà. En fait, je pense que elle, ça va prendre le plus de temps possible. Je pense que c'est elle qui va nous prendre le plus de temps. Je vais essayer un peu de tracer par contre. Ceci, on en a pour 3 heures encore. Attention, en raison de. Condition atmosphérique dangereuse. Oh waouh! Première fois que j'ai vu ça. Condition atmosphérique dangereuse, c'est la première fois que j'ai ça. Ah ok. Ah, tu vas me dire qu'on peut pas respirer du tout sur la lune? Ah mais c'est énorme, c'est la première fois que j'ai ça. Waouh. C'est pour ça que ce DLC est vachement bien. En fait, il y a plein de choses qui peuvent se produire alors que. Enfin, on peut les voir comme on peut jamais les voir en fait. Sympathique. Allez, go. Du coup, il y a un bruit sourd. On va prendre le flingue.
Ok. Alors. Les neuromones, elle a déjà... Elle a déjà la réparation. On va aller au centre quand même d'abord. Putain, mais on voit que dalle. Oh la vache, c'est sympa. C'est trop étrange. Quoi? J'avais pas vu, putain de merde. Ok, alors, l'équipage, non, on va regarder tout. Si tout marche dans la station, ce qui m'étonnerait parce que bon, on a déjà le... module disponible. Ok. Il y en a un hors service. Alors, fuyez, le mimic, ça on le fera après. Opérateur de sécurité qui charge plus, oui. Catapulte, non. Module d'évacuation. On verra. Fuyez avec la navette. Alors, on a des cartouches de fusil, ouais. Demande de nouvel opérateur. Ah, cette fois il y a l'éboulement, donc il faudrait mimic en fait pour passer. Inspection en cours. L'intégrité de votre combinaison est complète. Laissez-moi la réparer. Examen terminé. Donc ça c'est le lab. Le labo, il faut des nouveaux. Des nouvelles piles, des nouvelles batteries. Ok. La première fois que j'en ai besoin d'ici, c'est marrant. Inspection en cours. L'intégrité de votre combinaison est optimale. Un peu le tour vite fait. Après il y a là. Attention, en raison d'une défaillance de ventilation, le cratère subit une tempête de poussière. Veuillez utiliser un dispositif respiratoire et rester à l'intérieur jusqu'à résolution du problème. C'est trop étrange, la première fois que j'ai ça, c'est trop... Ça me déboussole un peu. Dispositif de casse-masque. Non, ça on va le garder par contre. Le dispositif, on va le garder. On va le laisser là. Parce que ça va sûrement être utile pour l'histoire, en fait, je crois, non? On verra. Je vous prie de faire attention. Alors, on va aller d'abord... je sais pas, réparer. On va d'abord réparer. Le laboratoire, c'est où? Je me rappelle plus. Laboratoire Pita.
Éloignez-vous de l'ouverture pendant l'opération. Ça fait un bruit sourd, c'est super dérangeant. Nouvelle assignation de star demandée. En attente. La tentacule. Ah, les barrières ne fonctionnent pas. En fait, les barrières, c'est peut-être par rapport à l'histoire aussi. Hein. Oh, merde, 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 merde. Quoique, non, non, c'est pas par rapport à l'histoire. Non, c'est... L'histoire de la chef, c'est de faire refonctionner les batteries, en fait. Enfin, non, les barrières, je crois. Mais je pense que là, c'est juste un événement aléatoire, comme ça, qui se produit. Ah tiens, du coup, on n'a pas vraiment besoin du truc mimique. Du pouvoir mimique, on peut passer par là. C'est dur d'entendre les monstres en plus, putain. Bon, enfin bref. Bon, c'est stressant ce manque de son. Ce manque de son. On y va. Gens qui m'envoient. Oh non. Alerte. Coupure de courant détectée. Générateur auxiliaire activé jusqu'à nouvel ordre. Salut Goldo. Ils font chier. Bonjour. Scan en cours. Wow. Les neurones radio montrent que votre potentiel psychoactif a atteint le seuil maximum. Il n'y a pas d'électricité, ça fout les boules, c'est énorme. Première fois que j'ai ça, c'est sympa. Alors tu seras là Goldo pour du hunt ou pas? Y a aucune alimentation en fait, aucune porte va s'ouvrir.
Et du coup, ces portes, elles s'ouvrent. Y'a rien qui s'ouvre, en fait, c'est bien. Réactivation de la barrière dans 3, 2, 1. Quelle heure? J'en sais strictement rien. Peut-être 2, c'était un peu trop. Oh, y'a rien qui est alimenté. Ça sert à rien. Ça sert à rien d'être là. Intéressant. Ouais, je finis spray, ouais. Bon, par contre, je sais pas combien de temps ça va prendre. Toi, à quelle heure t'es dispo? Conditions atmosphériques dangereuses. Une tempête de poussière. Veuillez utiliser un dispositif respiratoire et rester à l'intérieur. Il n'y a pas le requin, par contre, j'ai l'impression. Il faut des batteries pour alimenter le labo, sinon c'est mort. Ah, t'es dispo maintenant? Oh, t'es chiant. Veuillez évacuer dans le bon ordre. Oh putain. Aucun typhon détecté. Voilà. Pendant toute la semaine à me dire, ah mais je sais pas si je serai là, je serai pas là, mais en fait si, je serai pas là, mais en fait si. Putain le mec quoi. Matériel typhoon détecté. Typhoon détecté. Voilà, ça c'est bon. Ok, go. Là-bas, il y a une porte, on va la faire. C'est pas une raison. C'est pas une raison. Quoi qu'on devrait garder ça en fait. Ce sera pour mettre en nourriture. On a 5 choses, non.
l'identité, est-ce que c'est que ça? Pistolet silencieux avec... avec un truc... qu'est-ce que c'est que ça? Annule les compétences psioniques d'une cible. Waouh. Ok. Première fois que je vois ça. Pas mal. Erreur. La puce de navigation de ce module d'évacuation voilà. Est endommagée. Veuillez contacter un ingénieur pour remplacer l'élément. Ça tue, ce flingue est top. Pourquoi on n'a pas ça dans le jeu principal? Salut Pala TV, bienvenue. Alors, on va enlever ça. De toute façon, on prendra de la nourriture quand on sera à la cafétéria. Alors, on va aller où du coup, si c'est s'il y a rien qui marche. Le labo, non. Quartier de l'équipage, go. Ah, il est là. Le cratère subit une tempête de poussière. Veuillez utiliser un dispositif respiratoire. Ok, il est bien là alors. Mais il a l'air d'être bugué en fait. Foutage de gueule. J'ai pas d'objet pour m'enlever les hémorragies. Ah, c'est terrible. Quand tu veux la tourelle, ouais, c'est pas grave. Je devrais faire un peu plus attention à ça. C'est la galère. Je déteste cette... Ah tiens, on a une un module de commande, ça y est. On peut aller réparer. Je sais, ça fait mal. Je sais, ça fait mal. D'abord soigner. Ah, c'est une catastrophe ce truc. Alors. Du gel, c'est ça? Non, ça c'est. Si, c'est ça. Voilà. Maintenant on va mettre
la batterie. Enfin, le module de commande. Scan de la cible pour qu'un matériel alien détecté. Manque toujours un, pas grave. Inspection en cours. Votre combinaison. Je vais le faire. Réparation terminée. Et on va aller à l'équipage. Ouais. On va aller à l'équipage. J'arrive. Charge. Ah, ça. Crew, yes, let's go. Allez, go, 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 go. Ouais, le requin, il est buggé, je crois. Donc c'est encore plus dangereux que la normale. Oh, j'aime pas ce run du tout. J'aime pas ce run du tout. Ça va être légèrement difficile. Pas d'oxygène, pas de courant pour le laboratoire. Il faut tout refaire. Ah. Mais bon, bah on va se débrouiller, on va y arriver. Pas de problème. Ceci est un rappel de sécurité. Tous les projets et technologies Transstar sont confidentiels. Si vous soupçonnez quiconque de dévoiler des informations à des agents extérieurs ou des concurrents, informez-en immédiatement l'officier. Faites-le nous savoir. Merci. Je tombe que sur des super mimiques en plus, c'est relou. Je veux pas tomber contre des mimiques normaux. C'est quoi ce... quoi ce problème? Réactivation de la barrière. Ah merde. 3. 1. Matériel Typhoon détecté. Les mimiques voltaïques, faut que je les scanne apparemment. Ok, on va devoir prendre plein de choses ici. Ah putain de merde! Super vénère les mimiques ici. Ça marche que le dos.
comme je récupère les objets super vite. Je prends tout et n'importe quoi. Hop. Ah, je me disais, on allait bien être plein à un moment ou à un autre. Ah, ok, alors... Faudrait les recycler en fait, ces objets. J'adore ce flingue. Ce run est quand même pas mal dur, hein. Encore heureux qu'on connaît. Parce que là... Bonjour Ideas. Nous vous rappelons que tous les départs en navette doivent être validés par la sécurité et présenter des documents signés par les RH et votre supérieur hiérarchique. Ok, on est bon, on se casse. Je crois. Cafétéria, on l'a fait. Hacker. Je pense que c'est le meilleur perso pour commencer un run, vu qu'elle a beaucoup de place. Après on détruira des trucs. Ah oui, non. Je voudrais garder le flingue en fait. Toi qui pars. Tadam. Tadam. Monte. Oh la vache, monte. Mmh.
Check. Check. On voit la con. Yo Antoine. Ça va? Ce vendredi, ce début de week-end. Ça va, ça va. Je viens de commencer il y a pas longtemps. Commencer un peu en retard. Yes, on a un module. On peut rétablir le courant dans le labo. C'est plus tard que prévu à cause de cette belle chaleur. Gros mal de tête, mais sinon là ça va. Je me suis dit, c'est vendredi soir, faut bien streamer quand même. Bonjour. Bonjour. Bon, parfait. Alors, ça... Alors, qu'est-ce qu'on va casser? Dégâts 66. Ouais, alors ça, c'est du dire. Ça, c'est le spécial, annule les compétences psioniques d'une cible. C'est la première fois que je vois ça. Cool. Ça, on s'en fout. L'alcool, on s'en branle. Donc là, ça fait assez de boissons. Après, il faut des plats et après, il faut de l'antirade, si je me rappelle bien. Ouais, non, mais là, ça va. Ok, on est bon. Alors, on a 16 machins. On les garde, je pense. Ça suffira, on n'a pas besoin d'en faire plus. À la limite, ce qu'on pourrait faire, c'est des neuromodes en plus, mais on va sûrement en trouver. J'ai pas tout détruit, évidemment. Combien de temps je perds à faire ça à chaque fois? C'est bon, go, 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 go. Intéressant. Ah ouais, intéressant. Je m'étonne. Putain,
putain de merde. Oh la vache, le truc qui me... qui me bloque. Oh. Con de mine. Ils vont me faire avoir une crise cardiaque un jour. En plus, c'est sûrement la dernière fois qu'on... qu'on joue au DLC, vu qu'il sera complètement fini. Oh mon Dieu, accroche-toi, accroche-toi. Oh. Non, 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 c'est déjà assez chiant comme ça. Top là. Ah, go, 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 go. Plein de dégâts pour rien. Pas des cadavres avec des cartes. Non. Ok, on peut enchaîner. T'es wrong turn. Bien ma tourelle. Sûrement un mimique là. Je suis devin. Si j'appuie sur piloter, on n'est pas dans la merde. On partira direct. Ça, on progresse. D'objets. Bouge pas. Parfait. Ah,
GTA. Nous souhaitons rappeler à tous les employés de respecter les bureaux. Qu'est-ce qu'on est en train de mettre là? Améliore l'uniforme Transtar, plus d'espace, ouais, c'est ça. Pourra transporter un plus de choses. Un repos de qualité est essentiel pour une performance et une sécurité accrue. Ah. Ça, c'est pas mon fort, le repos, par contre. N'importe quoi. Après les runs d'après, ça sera beaucoup plus rapide. Là, c'est parce qu'on fait tout, on recommence tout depuis le début. Et on a énormément à faire. Ah, on a une puce. Je vous prie de faire attention. Inspection en cours. L'intégrité de votre combinaison est écroulée. Voilà. Laissez-moi la réparer. Réparation terminée. Let's go! Suicide. Ah, ça c'est chiant. Allez, qu'est-ce que l'on doit faire l'objectif Casma là? Toucher un opérateur de sécurité avec vos charges crues. Merde. Genre un... Genre celui-là par exemple. Eh merde. On a perdu l'opportunité de le faire, c'est pas grave. C'est pas très grave. Ok, on a fait marcher le tramway. Ouais, bientôt la fin. J'ai un flingue bizarre avec un truc alien dessus. Enfin, ça... laboratoire ou chantier lunaire, va aller au chantier lunaire. Ça annule les pouvoirs psychiques des monstres. C'est sympa, c'est la première fois que j'ai ce flingue. Il y a vraiment énormément de possibilités en fait dans le DLC. Je suis dégoûté, je voulais refaire les Dead Space, en fait, jusqu'à Fallout 76, là, on a le temps. Bonjour, Piteas. Pour toute urgence médicale mineure, rendez-vous au service. Je voulais refaire les trois le Dead Space. À l'extérieur de la raffinerie. Et vu que c'est des vieux jeux, c'est horrible de les faire marcher. Donc le 1, si par exemple on le met... on enlève la V5,
Et qu'on limite pas les FPS à 30. C'est bas à 30. Hein. Y a des scripts qui marchent pas. Donc il faut redémarrer le jeu et tout ça, c'est horrible. Après j'ai testé le deuxième. Alors, apparemment le deuxième plante. Ah, attendez. Oh putain. Le deuxième plante si on a un processeur qui a plus de 10 cœurs. 10 cœurs. Pourquoi? J'en sais strictement rien. Mais apparemment c'est ce qui se passe. Horrible. Horrible. Genre j'ai fait un test, j'ai limité mon processeur à utiliser seulement 5 cœurs et le jeu y marchait. Mais bon, au lieu de... C'est pas bien quoi. J'ai pas envie de faire ça. Y a que Dead Space 3 qui marche. Donc je suis un peu dégoûté. Ah oui, là c'est plus simple sur console, c'est sûr. Ah, pour une fois. Complètement dégoûté de ce truc là. Pourquoi il fait aussi noir? Là aussi, il n'y a pas de courant? Ou quoi? Oh putain! Ah, mais ça me dégoûte bien parce que je voulais vraiment les refaire, les trois. En plus, ils sont pas super longs donc. Genre en deux streams on pourrait finir un jeu je pense donc ça ferait une petite semaine Dead Space. Mais bon là je vais pas le refaire, enfin je vais pas le 3 je l'ai fini il y a pas longtemps, enfin je l'ai refait il y a pas longtemps donc ça servira à rien. Ça serait débile. Activation de la barrière dans 3, 2, 1, matériel Typhoon détecté. Ah, on a un poltergeist. Alors, il faut 5 nourritures. Attends, si je regarde. Non, catapulte. Alors, 5 plats, une bouteille en tirade, 5 boissons. J'en mets plus que nécessaire, mais. Voilà. Donc ouais, ça fait une série qu'on va pas pouvoir refaire.
qu'on va aller? Pourquoi il y a du feu là? Je sais pas. Il y a plein de choses à hacker. Ça va être chiant ça. Ah ouais, les anciens jeux, c'est toujours la merde. Et puis après, franchement, s'ils faisaient des... Si les vieux jeux, ils les changeaient en open source, c'est qu'on peut changer le moteur du jeu, plus ou moins, pour être grossier, on va dire. Ah, les gens pourraient complètement corriger ces problèmes-là. Mais va demander ça à Electronic Arts. Ah, c'est notre propriété. On laisse toujours le jeu en vente, même si on sait que 90% du temps il va pas marcher parce que c'est un vieux jeu, mais on va jamais vous aider pour le faire marcher. Donc bon, bah voilà quoi. Tu te débrouilles. Parce que le jeu tu peux toujours l'acheter, hein, mais t'inquiète pas qu'il marchera pas. Hein. Enfin, qu'il marchera pas. Si tu te fais pas chier à trouver la solution pour le faire marcher. Assignation d'hectares demandée. Ok, là je sais pas où je vais par contre. Là je suis un peu perdu. On va monter à l'étage. Ah oui, on va aller dans... On va aller dans son bureau. Bonjour. Bonjour. Bon, y a rien d'autre en fait. Compartiment à matériaux, capacité maximale atteinte. Bon. Après on va aller au laboratoire parce que j'ai un module ou pas. On va construire un module en plus. On va construire un module en plus, on va remettre le courant au laboratoire et on va aller réparer le laboratoire. Comme ça, ça sera fait parce que sinon on est là pendant 4 ans encore. Est-ce qu'on... Allez. Notre chef de la sécurité va effectuer une annonce spéciale. Ici l'officier Batia, chef de la sécurité. Je voulais juste vous annoncer le nom de l'agent de sécurité du mois. Le titre est attribué à l'officier Gazet Fletcher pour son travail remarquable.
Ne manquez pas de la félicité et du payer un coup à boire. Yes, on a truc, on a même pas besoin de le. On a même pas besoin d'en crafter un. Allez, on va revenir au cratère. Opérateur scientifique. Prêt au déploiement. Veuillez vous éloigner de l'ouverture. Oh, un Artax. Bonjour. C'est cool. Allez, on se casse. On retourne au cratère. On allume le courant. Pour le laboratoire, on va... Bonjour. Bon, tout est bon, ça, on se calme. C'est où le cratère? Hitman. Ah, j'en ai un sur Steam. Faudrait que je regarde lequel. Module d'évacuation, non. Cratère, c'est là-bas. Oh putain, c'est qui reste encore en vie? Aucun typhoon détecté. Voilà. Tu as Jag Alliance. C'est quoi ça? Voilà. On va sortir. Hop, ça, ça. De rechargement recul. Attaque entraînant 10 points de dégâts de feu. Putain, mais c'est quoi ces armes élémentaires qu'on récupère? C'est énorme. Waouh. Je savais même pas que ça existait, les armes élémentaires. Mais ça tue. Mais c'est dément. C'est magnifique. Magnifico. Jeu de stratégie tour par tour. Ok. Ah tiens, en parlant de jeu stratégie, il y a... Il va y avoir une nouvelle version de Divinity Original Sin 2 là. Et ça a l'air pas mal. Enfin, une version genre pas remasterisée mais genre définitive. Et je crois qu'ils vont la donner gratuitement aux gens qui ont déjà le jeu. Enfin, je suis pas totalement sûr en disant ça. Mais si c'est le cas, je me relance dedans, je pense.
ça devrait sortir dans pas longtemps. Enfin, dans un mois, un truc comme ça. Bon, voilà, on a plein de ressources. Allez, go. Original Sin 2. C'est ça le titre complet ? Non, Divinity Original Sin 2. Voilà. C'est un jeu stratégie tour par tour. Condition atmosphérique dangereuse. Une tempête poussière. Veuillez utiliser un dispositif respiratoire et rester à l'intérieur. Allez, 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 allez. Réactivation de la barrière dans. Allez, go. Putain, on voit rien. Il y a de poussière partout, quoi. C'est abusé. Je suis tellement de munitions, c'est incroyable. Non. Power control. Déplacement. Inspection en cours. L'intégrité de votre combinaison est compromise. Laissez-moi la réparer. Réparation terminée. Allez, on a tout ce qu'il faut de façon sur nous. On a du soin, on a des protections, enfin on a des balles, enfin aussi. C'est bon, on est bon. Alors, laboratoire. Waouh, bien. Putain, 3 balles. 3 cartouches. Pas monter. Yes. Extrêmement chiant. Alors en fait, je crois que les tentacules protègent. J'avais jamais eu ce problème. Tiens. Bizarre. Très très bon jeu. En plus, on peut y jouer à plusieurs dans Original Sin 2 là. Bon, par contre, la première fois que j'y ai joué, ça a duré 200 heures, quoi. Première campagne, ouais, 200 heures. Sympa. Mais c'est un bon jeu. Tu vas t'ouvrir ou... changer de position. Ah ouais. Alors qu'est-ce qu'on fait avec eux là? On les tue tous? Je sais pas. Et qu'est-ce qu'on fait? On les tue tous.
Non, 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 non. Oublier ce petit détail. Pourquoi il y a des effets de bruitage comme ça là, ça fout les boules. A plus Antoine, bon week-end. Merci d'être passé. Goldo est toujours là, merde. Ça va, t'as perdu un chasseur déjà? Tu reviens pleurer? Faudra hacker cet endroit. Oh merde. Ah non. Utiliser une charge glu. Alors, ça, faut le réparer. Et après, il faudra hacker. Il faudra prendre encore un autre personnage pour ça. Putain, c'est relou. Quand même vraiment bien l'ingénieuse. Pouvoir tout réparer comme ça. Check. Ah. Pousse-toi, pousse-toi. Oh putain, t'es sérieux. Voilà. Bonne chance. Enfin non, perds ton personnage. Goldo.
On a quasiment fini ici. On a quasiment fini. Et voilà. Bien, top là. Voilà. Alors, on a fini. Donc, il faut pirater. Ça, on le fera avec un autre personnage. La catapulte est prête. Donc, ça, on va pas le faire. On a la... le module d'évacuation. C'est quoi le plus proche? Ouais, d'abord on va voir avec les... là-bas s'il n'y a pas une puce à récupérer. Mais merde. Eh, tire! Veuillez essayer une autre station d'évacuation ou contacter la sécurité pour une aide d'urgence. Voilà. Tisseur. Voilà.
rien du tout. Voilà, on va aller à la navette. Je pense. Ah oui, on va aller d'abord. Il y a toujours plein de trucs à faire. Module d'évacuation, c'est là-bas. D'abord, on va aller à la salle de confinement avec toutes les bestioles. Bonjour. Ah, tu m'as fait peur. Scan en cours. On ouvre les portes. C'est pas là, c'est là. La tourelle, elle défonce tout le monde, quoi. Ça fait chier, j'ai un truc de feu en fait. Ah, ça. Ma tourelle s'en occupe, pas de problème. On va récupérer là. Parfait. Deux objets pour le temps. Deux retardataires. Et voilà. Donc il manque plus, on va juste aller à la navette et partir. Notre run est fini. Avec elle en tout cas. Notre run est complètement fini avec elle. Conditions atmosphériques dangereuses. Une tempête de poussière. Veuillez utiliser un dispositif respiratoire et rester à l'intérieur jusqu'à résolution du problème. Ouais, le requin est complètement buggé, c'est bizarre. Oh putain. Non, bon, on va passer par le bas. Opérateur à l'approche.
Bah du coup on est tranquille. Je suis là. Ouais, moi aussi. Eh bien. Quoi ce bruit? Ah, ouais, c'est monsieur qui est bugué là. Je pense qu'on va prendre Yu, c'est celle qui a des pouvoirs mimiques, enfin des pouvoirs psychiques. Et comme ça on fera son histoire. Voilà. Parfait. Bonjour. Et 2-1. Ok, première partie finie.